Ils sont issus des universités et écoles professionnelles du Tchad, du Bénin et du Cameroun. Tous désireux d'apprendre davantage car, comme le dit le proverbe, la théorie sans pratique est vaine. Nous permettons à ces étudiants-là d'acquérir les connaissances au préalable parce que beaucoup, beaucoup plus on fait les cours, je peux dire purement théoriques, mais c'est une pratique, on n'a pas la chance. C'est pas beaucoup des écoles qui accordent la chance à ces étudiants-là d'aller visiter soit les entreprises, soit les usines pour connaître ce qui se passe réellement. C'est une usine locale de transformation de farine qui a été visitée en premier. Accueillie par le directeur de cette institution, les étudiants ont eu l'occasion de s'entretenir et de poser plusieurs questions sur le fonctionnement de cette entreprise avant de faire la visite guidée des lieux. Là encore, ils ont eu droit à toutes les explications sur toute la chaîne de production. Ensuite, cap sur la deuxième entreprise. Il s'agit cette fois-ci d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des tuyauteries. Comme à la première étape, l'accueil a été suivi de la visite guidée des lieux et des explications sur l'origine de la matière première, le processus de fabrication et de commercialisation. Les chefs de ces entreprises, de leur côté, promettent soutenir les efforts de ces jeunes en quête d'expérience professionnelle. À la fin de ces visites, quelques participants ont livré leurs impressions. Nous retenons une émotion de satisfaction parce que pour nous, en tant qu'étudiants du secteur privé, c'est inédit de venir dans les sites industriels ici à Farcha pour pouvoir constater l'état de fonctionnement des entreprises, beaucoup plus des usines qui œuvrent dans la transformation des produits finis. Donc nous ressentons une émotion et cette émotion-là se traduit par la présence massive de ces étudiants que vous voyez là qui sont venus pour s'enquérir de l'état dans lequel ces usines fonctionnent. Merci encore pour les chefs et les directeurs des usines qui nous ont permis de venir entrer pour visiter et acquérir quelques connaissances pour pour nous les étudiants. Il faut rappeler que ce programme de visite académique se poursuivra les jours suivants dans d'autres entreprises. Aussi, les organisateurs prévoient réitérer cela en impliquant davantage des étudiants et en ouvrant un cabinet qui se chargera de poursuivre cette activité sur un long terme.